Who saw the show last night? Anybody here see the show? I saw it last night. Who's going tonight? The rest of you, I hope. Yeah, okay. I thought that would be the case. It's very good. It's an extraordinary production. It really is a wonderful, wonderful production. The first question is really about what's at stake for you in this production. And you speak in, this is in the, on the Théâtre de la Ville website, about the strength of theatre, la force du théâtre. And what is the force, the strength of Pirandello in this play for you? Hello. I prefer to speak in French because I have more words in French. And you have a beautiful language. And it's better to work more, to speak more time with you. Okay. Six personnages, c'est une pièce qui m'a fasciné très jeune. This is a play that I've been fascinated with since I was very young. J'ai une chance, c'est que je suis fils d'un metteur en scène et auteur de théâtre français de Marcy. I'm very lucky that I'm the son of a French playwright. Et d'une comédienne portugaise, Teresa Mota. And Teresa Mota, my mother, is a Portuguese actress. Donc enfant, j'ai assisté à des discussions entre un homme et une femme, français et portugais. So when I was a child, I heard a lot of conversations between a man and a woman, a Frenchman and a Portuguese woman. Entre deux cultures. Between two cultures. Entre deux approches, celle d'un metteur en scène et celle d'une actrice. And two different approaches, that of the actor and that of the director. Et celle aussi du masculin et du féminin. And also the masculine versus the feminine. Et des longues discussions sur le théâtre après la Révolution portugaise en 1974. And long discussions about the theater after the Portuguese Revolution in 1974. Sur le sens du théâtre dans une société. On what is the meaning of theater in a society. Et en France après 1968 sur aussi quel théâtre et pour qui. And also in France after 68, what theater and for whom. Donc cette pièce, quand j'étais adolescent, je l'ai lue adolescent, et ce qui m'a frappé, en fait, la vérité, qui est un mot de Pirandello. And I read this piece when I was an adolescent, and what really struck me was the truth, and that's the word that Pirandello uses, truth. C'est que j'ai été fasciné par la préface. I was fascinated by the preface to the play. Avant de lire la pièce. Before reading the play. Et j'ai souvent relu cette préface. And I've often reread this preface. Comme étant quelque chose qui m'éclairait sur le sens du rapport entre l'art et la vie. Which is something that really for me clarifies the existence that of what exists between art and life. Entre la réalité et la fiction. Between reality and fiction. Et sur la nécessité de l'art. And on the need for art. Pour penser le monde. In order to think about the world and understand it. Et de le penser mieux par l'art que par la sociologie, par la psychologie, par la politique. And you can understand the world better this way than through sociology, psychology, politics. Quand j'étais à l'université, je faisais des études de philosophie. When I was at university, I did my studies in philosophy. Et j'ai fait une première mise en scène de spectacle quand j'avais 20 ans. And when I was around 20, I did my first production of this play. Et ensuite, quand j'ai monté ma compagnie professionnelle, j'ai monté ce spectacle avec les mêmes acteurs il y a 13 ans. And then when I started my own professional company 13 years ago, I used the same actors that I had used before. Et il y a un an, je leur ai proposé de retravailler à nouveau dessus. And this year, I asked them to redo the same, rework the same characters that they had worked before. Parce que c'est une pièce qui m'aide à penser dans ma vie personnelle, dans le temps de mon existence, sur la fonction du théâtre et de la vie. Because for me, this is a play that comes back to me again and again, where I think, what is the function of the theater and its relationship to life? Juste avant de venir là, j'ai fait des notes aux acteurs par rapport à la représentation que j'ai vue hier. And just before coming here tonight, I was giving my actors notes based on the performance last night. Et je leur ai parlé d'un texte d'Aragon qui s'appelle Le Mentir Vrai. And I talked to them, I spoke to them about a text by Aragon called The Real Lie. Et Le Mentir Vrai est un texte très important d'Aragon. And this is a very important text by Aragon.
qui pose bien la question de la fiction et de la réalité. Which really asks the question of the relationship between fiction and reality. Et sur le sens, mais aussi la fonction de l'art dans une société. On both the meaning and the function of art in a society. Et sur la nécessité d'un total engagement en gardant un point de détachement. And for the need for a total commitment, but at the same time remaining somewhat detached. Voilà un premier élément de réponse. Non, so that's the first part of my answer. Pour moi, c'est facile. Oui, oui. Merci. Alors, when in the notes here, at the beginning of the program, you say this Pirandello is a unique opportunity to exceed the limits of theater, not by denying them, but by taking them to paradoxical consequences. Paradoxal. After there's something very nice, which will be complicated to translate. But it finishes with the phrase, to quote the father, we're chained and nailed for eternity. But the question is, what is it in Pirandello that is a theatre that exceeds the limits of theatre? And that's linked. There's this moment, the key, oui. There's this interchange at the end of the play, towards the end of the play, between the father, le père, and the director. And the father says, I would like to invite you, step by step, out of this game of art, hors de ce jeu de l'art, which you are accustomed to playing here with your actors, and seriously reconsider the question, who are you? Qui êtes-vous? And it seems to me that's the question that is posed in the play. Who are you? And by implication, qui sommes-nous? Who are we? And so that's my second question. Qui êtes-vous? Et qui sommes-nous? Who are you? Who are we? Il y a une phrase dans la pièce que le père dit. Cette question, qui êtes-vous, il la pose dans l'acte 1. Mm-hmm. C'est d'abord le directeur qui demande aux personnages, quand ils arrivent, qui êtes-vous, que voulez-vous. The question is first asked by the director of the characters when they arrive. And what he's asking them is, who are you and what do you want? Et dans l'acte 3, le père inverse la question. And in the third act, the father reverses the question. Parce que il a réussi à prendre le pouvoir. Because he succeeded in taking power. C'est lui à ce moment-là qui pose les questions. And at that moment, it's he that is asking the question. Parce qu'au départ, c'est le directeur qui pose les questions. Because first it was the director who asked the question. Mais au fur et à mesure de la pièce, le père décide de poser les questions et oblige le directeur, qui n'est pas un personnage, mais qui est un être humain, à répondre. And during the course of the play, the father decides that this is a question that he absolutely must ask. He decides that he's going to ask it, and he obliges the director to answer it. Et maintenant, on peut regarder les deux réponses. And now let's look at both responses. Dans l'acte 1, le père répond à la question. In act 1, when the father answers the question. Nous sommes là pour donner vie sur scène à des personnages imaginaires. We're here to give life on the stage to imaginary characters. Plus vivants que ceux qui respirent. More alive than those who are breathing. Moins réels peut-être, mais plus vrais. Less real perhaps, but more true. Et c'est tout le point de la pièce entre réalité et vérité. And this is really the two points of the play between reality and truth. Entre réalisme et surréel. Between what's real and what is surreal. Et dans l'acte 3, à la question du père au directeur qui lui dit qui êtes-vous? And in act 3, when he asks who are you, when the father asks the director who are you? Il répond
quel culot de me demander à moi qui je suis. Je suis directeur, chef de troupe. The director responds, so you've got a lot of nerve to ask me this question. I'm the director, I'm the head of this troop. Ça n'est pas la même qualité de réponse. It's not the same quality of answer. Le personnage a donc dans la pièce avec Pirandello une réponse beaucoup plus forte que l'être réel. The character in the play has a much stronger response than the real person in the play. Et à ce moment-là, pour faire le lien avec la première question, apparaît quelque chose de très important pour moi. And now to make the link with the first question, something that's very important for me. Dans cette pièce, in this play. Qui est que l'œuvre et le personnage existeront pour toujours. Is that the work and the character will exist forever. L'œuvre dépassera son créateur. The work will go beyond, it will exceed its creator. La Joconde regardera tous les êtres humains, même quand nous serons tous morts. The Mona Lisa will be looking at all, everyone, even long after all of us are gone. Elle les a regardés avant qu'on soit là. And have been too. Elle les regarde pendant qu'on est là. And will look at us while we're there. Et elle les regardera pour l'éternité. And will look for eternity. Donc c'est bien cette question qui devient la question fondamentale dans la pièce, mais au-delà de la pièce, qui renvoie la question au monde et à aujourd'hui, qui est qu'est-ce que la réalité? And this is really the fundamental question of the play, but also what takes it beyond being a play into reality and what we are living in now. On nous parle tous les jours d'une réalité économique. Every day we speak about an economic reality. Il y a un concept, la réalité budgétaire. And there is this concept of budgetary reality. Qui permettrait alors de limiter l'imagination, même l'utopie. Which makes it possible to limit imagination, even utopian imagination. Mais une des fonctions alors de l'art est bien de transgresser. But one of the functions of art is to transgress. Et de trouver alors une vérité contre la réalité. And to find a truth against reality. Je pense que quand on engage sa vie dans un chemin d'art, on doit être toujours au plus près de cette question. And I think when you decide make the decision to devote yourself to art, you always have to have this as the prime question. Parce que le paradoxe de l'existence fait finalement que la fiction, l'œuvre d'art, sont plus à même de révéler une vérité profonde d'une époque, la vérité d'un être humain, qu'une étude historique, biologique, politique. Documentaire. Because actually what you see is that a work of art is something that much better explains what it is, what reality is, much more so than history, sociology, psychology or politics. C'est ce qu'a cherché toute son existence un auteur français comme Balzac avec la Comédie humaine. Which is you can find out all about existence if you read the work by Balzac, the Comédie humaine. C'est ce qu'on peut toucher à travers le cinéma. Pour moi, à travers des films extraordinaires de Bergman, comme Le Septième Sceau, Les Fraises Sauvages. And also, you can see it in film, for example, the extraordinary films by Bergman, The Wild Strawberries and The Seventh Seal. Où il y a toujours ce rapport, finalement, à la mort. Where there is always this relationship with death. Au temps de la vie. As well as life. Et à un désir d'éternité. And a desire for eternity. Ce qui existe aussi dans la pièce. Yeah, which also exists in the play. I completely agree. Je suis tout à fait d'accord. Mais what is truth? C'est quoi la vérité? In the sense that we're very serious this evening. Une réponse courte à cette question. Oui. Non, parce que you have to have a short answer to this question. It seems to me that in Pirandello, there are two aspects to truth. Il y a deux aspects de la vérité dans les pièces de Pirandello. The first aspect is the question of incest, de l'inceste, and the second question is the question of violence. The truth that is repeated in the play is the truth of an incestuous encounter between a father and a stepdaughter. Mm-hmm.
And the piece finishes with the drowning of the girl and the boy shooting himself. And I hope I'm not ruining this for you. It's what happens in the play. Pourquoi ils ont ri? Why did you laugh? Je sais pas. Oh, j'ai fait. Oh, non, j'ai fait un blague parce qu'il yeah. a révélé les à la fin. La fin. Oui, oui. Oui. La mort des enfants. Voilà. C'est ça la vérité. But that's what the truth is. That's truth. Oh, what is the truth then? Bah, la vérité. Dans la pièce, c'est la mort des enfants. The truth in the play is the death of children. C'est-à-dire le suicide d'un adolescent et la noyade d'une petite fille par le manque d'inattention des adultes. It's the suicide of an adolescent and the drowning of a little girl due to the lack of attention paid to them by adults. Et toute la pièce va être fondée sur la notion de culpabilité alors. And so all of the play is going to be based on this idea of guilt. Et si on part de la culpabilité, on se rend compte alors que c'est le mensonge. And if we talk about guilt, we realize it's also a lie. Et ça renvoie à une autre pièce de Pirandello qui s'appelle Chacun sa vérité. And this harkens back to another play by Pirandello, which is To Each His Own Truth. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à la question Quelle est la vérité? Pirandello répond par une pièce qui s'appelle Chacun sa vérité. Mm-hmm. And so in answer to the question of what is truth, Pirandello's answer is each person has their truth. Et c'est toute la complexité de la relation humaine. And this is the entire complexity of the relationship between human beings. Parce que dans la pièce, les personnages mentent tout le temps. Because in the play, the characters lie all the time. Et peut-être pourquoi cette pièce me fascine aussi, c'est parce qu'elle accepte de dire qu'un personnage par essence ment. And I think what has continued to interest me in this play is the fact that it accepts the fact that people decide that they're going to lie. Mais le mensonge n'est pas pris alors du point de vue moral. But the lie is not taken from a moral point of view. Mm-hmm. Il est pris d'un autre point de vue. It's done from a different point of view. C'est qu'il faut mentir sur le réel. That you have to lie about reality. Et que l'artiste ne doit pas copier le réel. And that the artist mustn't copy reality. Il doit mentir sur la vérité, sur le réel, pour atteindre une autre vérité. He has to lie about the reality in order to achieve another truth. Mm-hmm. Et que c'est ce que les. Je vais citer une pièce peut-être que vous connaissez d'un auteur français qui s'appelle Roger Vitrac, qui a écrit avant Pirandello. I'm going to cite a play that perhaps you may know by a French playwright Roger Vitrac. Et qui est le premier auteur du surréalisme. And he's really the first surrealist author. Cette pièce s'appelle Victor ou les enfants au pouvoir. This play is called Victor or the children in power. Victor, ça veut dire victoire. Mm-hmm. And the name Victor also means victory. Les enfants au pouvoir dans la pièce, c'est l'histoire d'un enfant, Victor, qui a 9 ans. And the children in power in this play is a 9-year-old child who is in power. En français, 9 ans. In French, 9 ans, 9 years. Trois mots. Three words. 9, le chiffre. 9, je suis 9, new. New. Mm-hmm. Et l'œuf, la naissance. Egg. Donc, il y a une vérité derrière le mot. Et il y en a même plusieurs. And there's a truth behind this word, but in fact there are several of them. Avec les surréalistes, on ouvre une nouvelle voie qu'il n'y a pas une vérité et un sens. And with the surrealists, they opened a new path where it wasn't just one truth and one meaning. Mais il y a des sens. But there are meanings. Et que les vérités sont plurielles. And that the truths are plural. Cet enfant doit mourir à l'âge de 9 ans. And this child has to die at the age of 9. Et je me rends compte que les pièces que j'ai montées, je me rends compte là grâce à votre invitation, parlent souvent de la mort de l'enfant. And I realize, and perhaps it's from your invitation for this presentation, that I often stage plays that involve the death of children. Vitrac invente la mort de Victor.
Victoire. Trois mots. So Vitruc writes the play in which Victor must die. Et parce qu'il est l'enfant de la fin d'un siècle et d'un nouveau siècle. Because he's the child from the end of one century and the beginning of another century. Et il doit mourir pour que le nouveau siècle advienne. And he has to die so that the new century can arrive. Et il va faire Victor ce que fait Pirandello. And he's going to do with Victor what Pirandello does. Il va chercher à dénoncer le mensonge social. What he's going to try to do is to denounce the social lie. Dénoncer les convenances bourgeoises. Denounce the bourgeois conveniences. Pour que chacun puisse accepter sa propre vérité. So that each person can accept their own truth. En se débarrassant de la culpabilité. By getting rid of guilt. Mais pour ça, il y a souvent des victimes. But in order to do that, there are often victims. Et là, c'est les enfants dans ces pièces. And in this play, it's the children. Qui représentent quelque chose. Who represent something. This is great fun. The next question I have, well, is about Je reviens sur ta question. Oui. I'm going to come back to your question. Okay. Parce que tu as dit deux choses. Because you said two things. Oui. Yes. Et j'ai parlé que de la mort des enfants. Oui. And you only spoke about the death of children. Il faut absolument parler de l'inceste. We have to speak about incest. Incest. Pirandello écrit le beau-père et pas le père. Pirandello is describing the stepfather and not the father. Il ne pouvait pas écrire le père. He couldn't write it as the father. Parce que la convenance bourgeoise en Italie en 1920 n'aurait pas permis la pièce. Because bourgeois conventions at the latter part of the 19th century wouldn't have allowed it. Rappelez-vous que quand la pièce est montée à Rome pour la première fois, elle fait scandale. And remember that when the play was staged for the first time in Rome, it caused a great scandal. Elle est considérée comme une pièce de la provocation. And it was considered to be a play that incited, was very provocative. Bien sûr, une provocation évidente puisqu'il s'agit du théâtre sur le théâtre et qu'on n'est pas dans une représentation traditionnelle du théâtre. And of course it was provocative because it's about the theater and the theater and we're not looking at a traditional type of play. Mais je pense que le vrai sujet est la question qui vient d'être posée. But I think that the real question is the one that was asked. C'est que le père dit dans la pièce qu'il a toujours eu des désirs sexuels très vivaces malgré son âge. And the father says that he's always had these very lively, intense sexual feelings despite his age. Et il dit cette phrase terrible. Il dit à propos de sa femme, ça n'est plus une femme, c'est une mère. And he says something about his wife that's really very terrible. He says she's no longer a woman, she's a mother. No longer a wife, a mother. A wife, she's a mother. Et il dit, donc à partir de là, j'ai dû aller voir une prostituée. So because of that, I had to go and seek out a prostitute. Là, Pirandello touche un sujet fort. And there, Pirandello is touching on a very strong subject. Celui de la durée du désir sexuel. That on the duration of sexual desire. Dans un couple. In a couple. C'est une vérité. It's a truth. C'est une vérité. Et de l'inégalité du désir. And the inequality of desire. Il joue aussi avec une vision misogyne, je pense. He also is playing with a very misogynist view. Je n'ai pas dit qu'il était misogyne. I didn't say that he was misogynist. Mais il provoque. But he provokes. C'est un très grand provocateur. He's a very great provocateur. Et un très grand connaisseur de l'âme humaine. And he was somebody who genuinely knew the human soul. Le père va voir une prostituée. Et il ne se rend pas compte, mais cette fille qui se prostitue, c'est sa belle-fille. And so the father goes to see a prostitute, and what he doesn't realize is the prostitute is his stepdaughter. Elle expliquera plus tard dans le drame qu'elle a dû se prostituer parce que le père les avait abandonné la famille et qu'il n'avait plus d'argent. And the girl will recount later in the play that she had to prostitute herself because the father had abandoned the family and they no longer had any money.
Moi, je pense qu'on est dans les mensonges. So I think here we're in lies. We're dealing with lies. On est dans une explication a posteriori. This is an a posteriori explanation. Mais la réalité de la situation, c'est que donc, ils vont pour coucher ensemble, le père et la belle-fille. Disons le père et la fille. But the reality of the situation is that they are going to sleep together, the father, let's call it the father and the daughter. Et la mère arrive à ce moment-là. And at that moment, the mother arrives. Et elle dit, monstre, c'est ma fille. And says, you monster, that's my daughter. L'acte a eu lieu, la scène traumatique a eu lieu. The traumatic scene has already taken place. Pour l'éternité de ces personnages. For the eternity of these characters. Ils vivront toujours avec cette culpabilité. Oui. They will always live with their guilt. Ça, c'est leur vérité. That's their truth. Il va falloir qu'ils rejouent cette scène. And they're going to have to replay this scene. Il faut la répéter. And repeat it. Comme revenir sur la scène primitive. As you're going back to this primitive scene. The primal scene. Mm-hmm. Yeah. Yes, la première scène. Mm-hmm. Et c'est ce qui permettra à la belle-fille, alors, comme elle dit, de prendre son envol. And this really lets the, enables the girl to take off. Et c'est ce qui permettra au père de s'expliquer sur and ce qui s'est passé. And it allows the father to explain what happened. On est finalement comme dans une reconstitution d'un crime, dans la scène du crime. So basically we're almost in a reconstruction of a crime at the scene of the crime. Mm-hmm. Il y a quelque chose de policier, d'une enquête. There is something of a police investigation here. Yeah. Où sont les coupables? Where are the guilty ones? Donc la scène sexuelle est fondamentale. So the sexual scene is fundamental. Elle est située au centre de la pièce. And it's at the center of the play. C'est une question qui est rarement commentée dans les études sur Pirandello. And this is something that's rarely commented on in studies of Pirandello. Et après on arrive à la mort des enfants dans le troisième acte. And then we get to the death of the children in the third act. And just before we came in, you were saying that there's some connection between that scene and Pirandello's memory of the actual vision of a sexual encounter with even a straw hat. Yeah. Quand je travaille sur un auteur, je travaille 3 ans. J'aime pas monter beaucoup de pièces à la suite. Je suis pas très boulimique dans le travail de mise en scène. When I work on a play, I really put in usually about 3 years of work into it, and I don't stage a lot of other plays while I'm doing this. I'm not a boulimic director. A boulimic director, very good. Yeah. J'ai besoin de créer un dialogue avec l'auteur. I need to create a dialogue with the author. Je sais très bien ce que je dirais à Pirandello s'il était là ce soir. I know very well what I'm going to say about Pirandello in the theater tonight. Je dirais que je pense qu'il déteste le théâtre. I would say that he detested the theater. Et qu'il veut affronter le théâtre et qu'il veut être plus fort que le théâtre. That he wanted to confront the theater and he wanted to be stronger than the theater. En travaillant longtemps sur des textes autres de Pirandello, j'ai pu découvrir qu'il raconte, dans un autre texte autobiographique, qu'à l'âge de 8 ans, il se promenait et il a entendu des gémissements sexuels d'une femme. And I, in reading a lot of other works about and by Pirandello when I was in this period, I came across a text in which it was relatively autobiographical, and Pirandello talks about when he was 8 years old having been going for a walk and coming upon a scene where he heard the sexual act taking place. D'une femme. A woman. Et qu'il s'est approché, enfant, et qu'il a vu une scène de coït entre un homme et une femme dans une grotte. And so he went in a little closer, and he saw a couple having sex in a grotto. Et que cette femme portait un chapeau de paille d'Italie. And the woman was wearing an Italian straw hat. Dans 6 personnages, dans la scène sexuelle, il dit que la
La belle fille doit avoir un chapeau de paille d'Italie. Mm-hmm. And so in six characters, he says that in the sex scene, the daughter has to have an Italian straw hat. Et avant, dans l'acte 1, ce qui est plus terrible, il dit que le père venait voir la belle fille à la sortie de l'école parce qu'il était coupable d'avoir abandonné la famille et qu'il lui offrait à cet enfant un chapeau de paille d'Italie. And going back, he has the father go to meet the school, the little girl coming out of school, and he feels guilty for having abandoned the girl, and so he gives her an Italian straw hat as a gift. Yep, it's like that. Il y a des obsessions chez Pirandello. Pirandello has certain obsessions. Et il est très intéressé par la question de la folie. And he's very interested by the question of madness. Sa femme était folle. His wife was mad. She was institutionalized, right? Yeah. Donc, sans faire du lien autobiographique entre l'histoire de l'auteur et ce qu'il met dans ses œuvres, on le voit comment il puise dans le réel et qu'il transcende le réel à travers une œuvre. So it's very interesting when you look at an author and you see in his work how he's dug down into himself mm-hmm. to bring these things forward, but then on the real, draws on the real, but presents them in a different way. Mm-hmm. Et que c'est en prenant le réel qu'il trouve le surréel qui lui permet alors de développer l'imagination. And it's in taking this reality to the surreal that he's able to make it a work of imagination. Donc pour moi, finalement, cette pièce est un immense hommage à l'art. For me, this play is an enormous tribute to art. Dans la relation à la vie. And in its relationship to life. Je ne parle pas du spectacle. And I'm not speaking about the show. The show. voilà peut-être une des raisons qui fait que j'ai monté la pièce trois fois. And that may be the reason why I mounted this production of it three times. There's a question of repetition here, of répétition. We begin in the Pirandello play with, because the French word for rehearsal is répétition, which is interesting, right? So the play begins with répétition. Actors are getting ready for rehearsal. And the rehearsal begins, and then the characters, the personnages, show up. And then another, and the play is all about répétition, all about this loop continuing. is that it? Are we condemned to repetition? Or, in the death of the child, and let me put it this way. If language, if what we do in language is to lie and to repeat, then is there a way out of that through silence? In the sense in which the boy who shoots himself doesn't speak. Never. He never speaks. He can't speak. Yeah. So in a sense, there is his death is a real death. Yes. And is that death outside of repetition? avant de répondre. Before answering. Pirandello a imaginé un scénario de cinéma au moment où il écrivait la pièce. When Pirandello was writing the play, he was imagining a film script. Ce que je comprends. This is what I understand. Parce que il ne sait pas si le théâtre peut traiter cette question. He wasn't sure that the theater could actually deal with this question. Il cherche les limites du théâtre. He was looking for the limits of the theater. Aller repousser au plus loin. To push it as far as it would go. Par rapport à l'intelligence. In relation to intelligence. Il imagine un scénario où des personnages
ces six personnages, cette famille sicilienne qui parle beaucoup, c'est des Italiens, parle, parle, tout le temps dans l'acte 1. Mm-hmm. C'est insupportable. Mm. He imagines a scene with these six people and they're an Italian family and they just talk and talk and talk and it's really unbearable. Quand vous lisez la pièce en italien, il y a des si seigneur, c'est tout le temps la plainte de la Sicile. And when you read it in Italian, they're complaining all the time, it's like in Sicily. Il le fait volontairement. And he does this deliberately. Avec la culpabilité. With guilt. De la femme, de la mère. The guilt of the woman, the mother. Avec un rapport à la religion. With the relationship with religion. Avec le Père Tout-Puissant. With the all-powerful Father. Qui écrase les enfants. Who crushes his children. Qui couche avec la fille. Who sleeps with the daughter. Le monstre. The monster. L'homme. The man. Et il imagine un scénario où ces personnages ont été abandonnés, ce qu'il dit dans l'acte 3, par l'auteur, par le créateur. Mm-hmm. And imagine this script where these characters have been abandoned by the author, by the creator. Il l'explique dans la préface. He explains this in the preface. Il dit dans la préface qu'il a mis un écriteau sur la porte de son bureau, lui, Pirandello, pour dire « interdit au personnage ». And oui. He put a sign up on his own door that said this place is prohibited to the characters. Parce qu'ils ont pris une existence éternelle. Because they had taken on this eternal existence. Ils existent indépendamment de lui. That they existed independently of him. Hamlet existe indépendamment de Shakespeare. Just like Hamlet existed independent of Shakespeare. Hamlet existera pour toujours. Hamlet will exist forever. Dans tous les pays du monde, presque. In almost all the countries of the world. Il est mondial. He's worldwide. Il n'y a pas une marque automobile qui fait aussi bien qu'Hamlet. There's not one brand of automobile that does as well as Hamlet. C'est réel. C'est vrai. It's ouais. Real and it's true. J'étais à Ann Arbor, je n'ai pas vu une Peugeot, une Renault, une Citroën. I was in Ann Arbor, I didn't see a Renault, a Peugeot or a Citroën. Mais Hamlet jouait à Ann Arbor. But Hamlet was playing in Ann Arbor. Jouait à Moscou. He plays in Moscow. Tous les jours. Every day. Avec des décalages horaires. Oh, with the time lapses. Donc si j'habite sur Mars et que je regarde la Terre, je vois Hamlet en continu. So if I'm up above the Earth and I look down, I see Hamlet being continuously played. Il finit à Séoul et il commence à Los Angeles. He finishes in Seoul and he begins again in Los Angeles. Il ne dort jamais. He never sleeps. Il se déplace. He moves constantly. Et il y a des acteurs qui essayent de le jouer. And there are actors who try to play him. Et des spectateurs qui essayent de le voir, de le découvrir ou de le revoir. And viewers, audience members who try to see him and to re-see him and to understand him. Le politique essaiera toujours d'atteindre cette réalité-là, mais il n'y arrivera jamais. Politics tries to always do this, but it will never succeed. Ils veulent tous rester à l'histoire. They all want to stay part of history. Mais les personnages sont à l'histoire. But the characters are the history. C'est la grande tension entre le politique et le théâtre depuis les Grecs. This is the great tension between theater and politics. Since the Greeks. Since that's, the Greeks. That's true. That's very good. Donc, and what is Hamlet? Hamlet c'est, is a, ces yeah, personnages, yeah. Sorry, ah, no, I'm sorry, I speak so long, but ces personnages, ces personnages errent, ils errent, ils these sont comme des enfants wander. Abandonnés par l'auteur, mais ils existent indépendamment de lui. They wander, but because they've been abandoned by their et creator. Ils ont leur obsession comme Hamlet, avec leurs questions et leur culpabilité. And like Hamlet, they have their own issues, their own questions, their own guilt. Pour toujours. Forever. Être ou ne pas être. To be or not to be. C'est la question. That's the question. Depuis toujours. Forever. C'est quoi la vérité? So what is truth? Qui a tué mon oncle? Who killed my uncle? Pourquoi je vais convoquer le théâtre dans le théâtre pour faire apparaître la vérité? Why do I bring the theater into the theater to bring in reality? Antigone. Antigone. La grande révolte d'une femme. The great revolt of a woman. Contre les lois. Against the law. Parce qu'elle veut une sépulture pour son frère. Because she wants a tomb for her brother.
On continuera à la jouer longtemps, longtemps. We continue to play her and play her. Donc, ces personnages de Pirandello se situent, eux, dans la même position. Ils se comparent, ils osent se comparer à Antigone, à Hamlet. And these six characters are in the same kind of position and they dare to compare themselves to Hamlet and to Antigone. Ils rentrent en dialogue avec d'autres personnages, d'autres auteurs et d'autres pièces. And they enter into a dialogue with other characters from other plays. Avec leur misérable drame familial. With their miserable family drama. Si banal. So ordinary. Si commun. So common. Ils aimeraient qu'il soit plus fantastique. They would like it to be more fantastic. Ils aimeraient exister sur la scène. They would like to exist on the stage. Ils sont terribles. They're terrible. Ils arrivent dans le théâtre et il y a un déplacement de 3 points. Il y a 3 choses qui se déplacent. And they arrive in the theater and there are 3 things that are moved. Les personnages veulent être des acteurs. The characters want to be actors. Ils veulent jouer leur drame. They want to play their drama. Ils interdisent aux acteurs d'être eux. They prohibit the actors from playing them. Ils prennent le pouvoir sur l'acteur. They take power from the actors. C'est fascinant. It's fascinating. C'est comme si Hamlet disait à l'acteur, tu ne pourras jamais être moi. And it's almost as if Hamlet went and said to the actor, you can never be me. Tu es mortel. You're mortal. Pas moi. Not me. Le deuxième déplacement, c'est que le directeur, qui pense avoir le pouvoir, va devenir l'auteur de la pièce. The second is the director, who then becomes the author of the play. Et les acteurs vont devenir les spectateurs. And the actors are going to become the audience. Tout ça devant des spectateurs imaginaires. All of this in front of an imaginary audience. Puisqu'on est censé être dans une répétition. Because we're supposed to be in a rehearsal. Où il n'y a pas de public. Where there's no audience. Mais où vous êtes vous présent. But where you are present. Mais momentanément. But for the moment. Parce que la pièce continuera à être jouée toujours. Oui, because the play will always continue to be played. Donc vous apparaissez, ou j'apparais moi, comme une chose fondamentale pour l'art théâtral, qui est que le spectateur n'existe pas, mais il existe en tant que spectateur imaginaire. And so here, we become all of us. We become the viewer who doesn't really exist, but becomes the imaginary viewer. Quand je fais un spectacle comme metteur en scène, on me dit souvent dans une interview, est-ce que vous pensez au spectateur quand vous répétez? And very often when I'm mounting a play, during interviews, people ask me, are you thinking about the audience while you're staging your play? Si je veux faire plaisir aux journalistes, je dis oui. If I want to please the journalists, I say yes. Si je veux faire plaisir aux politiques, je dis bien sûr. If I want to please the politicians, I say well, of course. Si je veux faire une réponse politique, je dis que je fais ça pour des spectateurs qui viennent de la banlieue, And if I want to be very diplomatic, I can say yes, I do it for the viewers who are coming in from the suburbs to see the play. Je me préoccupe des minorités. You know, that I'm concerned about minorities. Mais c'est pas vrai. Quand je répète le spectacle, c'est pas à ça que je pense. But when I'm rehearsing, that's not what I'm thinking about. Quand je dirige le théâtre de la ville, oui. When I direct in the théâtre de la ville, yes. Mais pas quand je suis sur le plateau. But not when I'm on the stage, on the set. Sur le plateau, je pense à un spectateur imaginaire. When I'm on the set, I think about the imaginary viewer. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'âge. Somebody who has no specific age. Il peut avoir 12 ans ou 90 ans. Could be 12 or 90. Il peut être noir, blanc, jaune, ce que vous voulez. Could be black, white, yellow, whatever you like. Il peut être handicapé ou pas handicapé. Could be handicapped or not. Mais il est imaginaire. But he's imaginary. D'où il vient, qui il est, peu importe. Where he comes from, who he is, it's not important. C'est autre chose qui importe. C'est une autre connexion. It's something else that's important, another connection. Parce qu'il peut être tout ça à la fois. Because it can be all of those things at once. On s'adresse à une singularité, mais qui est en elle-même une multitude. And we address ourselves to a singularity, which is in itself a multitude. Donc dans cette pièce, ces personnages envahissent un théâtre. Ils prennent le théâtre. In this play, these characters, they invade the theater, and they take it.
Et ils vont être comme des fantômes. And they're going to be like ghosts. Ce qui est aussi un des grands thèmes Hamlet et tout, dans tout le théâtre. Which is also one of the other great themes of theater, Hamlet, for example. La présence du surréel à la scène. The presence of the surreal on the stage. That was brilliant. And of course, the first soliloquy in Hamlet, le premier soliloque chez Hamlet, is the reflection on theater. Sur le théâtre. It's after the actors turn up, and an actor acts, and Hamlet watches an actor act about Hecuba and Priam, and the actor begins to cry, and the actors disappear, and Hamlet says, "What was that? What is Hecuba to him, or he to Hecuba, that he should weep for her?" You know. So it's amazing what you've been saying. It's incredibly important what you've been saying, because this is a chance, as you say, in this play to exceed the limits of the theatre. On the one hand, on the other hand, this is this play, your approach to it, is an explanation of how theatre can become a kind of eternal truth, become a truth that is more than a real truth, more than an empirical truth, and a truth that will outlast any other notion of truth, political, social. That's an extraordinarily important thing to understand, I think. That's what art does, right? Je pense que une des questions qui apparaît avec cette pièce et avec toutes ces questions liées au théâtre depuis les Grecs à aujourd'hui et certainement pour l'avenir, c'est comment le théâtre nous aide à faire mentir la réalité. I think that the question here, and this is something that is connected with all of these things, even going back as far as the Greeks and well into the future, is how does the theater enable us, help us to lie? About reality. Comment le théâtre fait mentir le réel? That makes reality lie. Makes reality lie. Ce qui est une question évidemment dialectique et très complexe. Which is a dialectical question that is of course extremely complicated. Mais parce que on peut considérer que le réel ment. But you have to consider that reality lies. Et que la question entre réalité et vérité est très distincte. And that the question of reality versus truth is very distinct. Brecht a beaucoup travaillé sur la question du naturalisme et du réalisme, et il a séparé les deux mots. And Brecht worked quite a lot between dealing both with the issues of naturalism and realism, and he made the distinction between the two of them. Si on regarde dans les temps anciens, y compris en Asie, avec un grand art qui est le Bunraku. And if we go all the way back, like look in Asia, back in Asia, and we look in an art like Bunraku. Le Bunraku va nous raconter des histoires sur la mort, sur la naissance, sur la vie, sur des enfants. And Bunraku is an art form that's going to tell us stories about death, about life, about children. En trouvant une forme qui n'est pas l'imitation du réel. In by finding a form that is not limited by the real. Ou des marionnettes extraordinaires avec vont être développées. Or where absolutely extraordinary marionettes are going to be developed. Ou des narrateurs, grands acteurs vont nous raconter cette histoire. Or a great narrator, a Bunraku narrator is going to tell us a story.
pour trouver une forme artistique. To find an artistic form. Mm-hmm. Dans six personnages, Pirandello explique bien, et il s'amuse avec cette question, qu'il y a un inachèvement de certains de ces personnages. Mm-hmm. And in six characters, Pirandello plays with this idea that these six characters are not completed. Yeah, the mother, right? Yeah, le mm-hmm. père est complet. Mm-hmm. The father is complete. La belle-fille est complète. The stepdaughter is complete. La mère est incomplète. The mother is incomplete. Elle est bloquée dans la culpabilité. And she's blocked in guilt. Elle ne peut pas agir. She can't act. Et les enfants sont à peine dessinés. And the children are barely sketched. Barely sketched. Mm-hmm. Donc, il décide de la forme de chaque personnage et il montre comment lui, comme auteur créateur, va déterminer la forme même du personnage. And as the creator, he determines the form and he shows us how he's going to create the form for each of these characters. La pièce nous pose cette question extraordinaire, je pense, qui est celle même de la question de la croyance. À quoi veut-on croire? I think that this play really makes us ask this extraordinary question, which is connected with belief. In what are we believing? Elle pose finalement la question de est-ce que ce qui nous intéresse, c'est l'existence de Dieu, ou bien c'est le fait qu'on puisse croire en Dieu. And it asks the question, is what interests us the existence of God, or the fact that we can believe in God? Mm-hmm. Et c'est la deuxième partie qui intéresse alors là Pirandello. And it's the second that really interested Pirandello. À quoi décide-t-on de croire dans notre existence? What do we choose decide to believe in our existence? On peut croire en plusieurs choses. We can believe a lot of different things. Elles ne s'opposent pas nécessairement. It's not necessarily apparent. How long we got? We're just about done. Okay. On atterrit là. On est presque fini. Non, c'est juste pour savoir le timing pour. So, you're going to go and see the play, sex, death, repetition, and form. Yeah. Form, and it's this idea that there is a fixity of form. A certain fixity of form which is achieved in some of these personages, which is true in relationship to the reality in which the actors exist. And it's this that the director observes. It's this that the director observes. Because you are the director. It's you. J'aurais adoré la confrontation avec Pirandello. I would have loved to come face to face with Pirandello. J'ai travaillé sur plusieurs auteurs. J'aime la confrontation avec l'auteur, qu'il soit vivant ou mort. I've worked with a number of authors, and what I really like is this idea of the confrontation with them. Mais je pense vraiment le travail du metteur en scène comme celui, non pas seulement comme on dit d'un passeur, mais celui qui se confronte à l'auteur. And I really think that that's what the role is of the director. It's not someone who just presents the work, but it's someone who actually confronts the author. Ça fait 20 ans que je me confronte à la pensée de Pirandello. And it's 20 years that I've been confronting the ideas of Pirandello. Que j'essaie de comprendre ses obsessions. That I try to understand his obsessions. Pour trouver une stratégie face à lui. In order mm-hmm. to find a strategy.
Et il faut une stratégie face à l'auteur. And you really have to have a strategy when you deal with an author. Quand il est aussi fort que Pirandello. When it's an author especially strong like Pirandello. Parce que l'auteur ment aussi. Because the author lies too. Mais il se met dans la position Pirandello où il serait celui qui ne ment pas. But Pirandello puts himself in the position of he's the one who doesn't lie. Donc il faut trouver l'endroit où on peut le contrer. So you have to really find the place where you can le contrer. C'est comme en sport. To counter him. Like a counterattack for him. Mm. Yeah. Je cherche dans cette mise en scène des endroits où je m'adresse à lui. And there are, in this staging, there are places. What I did was I looked to find the places where I can confront him. Parce que pour moi, il est là. Because for me, he's there. Ok, il est mort. Ok, mais il est là. Ok, he's dead, but he's there. Il est là tout le temps. He's there all the time. C'est ses mots. C'est réel. It's his words. It's his reality. Et je vois les phrases où il tente de mentir et de nous tromper. And I see the phrases that he has where he tries to lie. Donc, je vais vous donner un exemple de mise en scène. I'll give you an example. Où je veux lui montrer, même s'il ne pourra pas le voir, là aussi où je peux jouer avec le spectateur. I wanna at one point see how I too, even though you may not see it, how I too can play with the viewer. Un jeu simple, un jeu d'enfant. Un jeu comme on sait les inventer avec des enfants. It's like a game, you know, like when you invent a game with children. Comme Peter Brook l'explique très bien, la naissance du jeu chez l'enfant. As Peter Brook very very well described it, the birth of acting quand in children. L'adulte perd sa capacité d'enthousiasme et surtout d'étonnement. When the adult loses their enthusiasm and their astonishment. Parce que l'étonnement, c'est ce qui fait la vie. Because astonishment is what makes life. Pirandello, les auteurs, l'art doit nous étonner. And writers like Pirandello, they're supposed to astonish us. Nous surprendre. To surprise us. L'arrivée des personnages. The arrival of the characters. C'est le 6 personnages, il faut choisir comme mise en scène comment vous les faites arriver à la scène. And as a director, you have to 6 characters are going to arrive and you have to decide how are you going to show them arriving on the set on stage. Pirandello, il l'écrit, il fait une didascalie où il explique comment il faut le mettre en scène. And Pirandello indicates how this should happen. J'ai trouvé nul sa proposition. I found his proposals to be useless. Elle est commune. They're very common. Le théâtre le fait tout le temps. The theater does it all the time. Ouvrir la porte du fond et arriver du fond du théâtre tranquillement. Open the back of the theater and have them come in very slowly. On le fait dans toutes les pièces. It's done in all plays. Brooke l'a inventé avec les Bouffes du Nord en permanence. Peter Brook did it at the Bouffes du Nord permanently. Il est un bien meilleur metteur en scène que Pirandello. And he's a better director than Pirandello. Pirandello indique tout, il met des didascalies partout. Là, le personnage sourit, là, le personnage se tait, il est habillé en bleu, il indique tout. Oui, Pirandello indicates everything, he says. Here, the person comes in, here, he whispers, here, he's wearing blue, everything. Moi, quand j'ai donné le texte aux acteurs, on a fait une traduction de l'italien au français, et j'ai enlevé toutes les didascalies de Pirandello. So what I did was, we had the play translated from Italian into French, and I had all of those stage directions removed. C'est une règle. It's a rule. Parce que sinon, on fait une reconstitution de l'idée de mise en scène que Pirandello a en 1921. Because basically, if you do that, what you're doing is basically a reconstruction of what Pirandello's idea was for the staging in 1921. Peut-être qu'il souhaite, lui, que son idée de mise en scène existe pour toujours. And maybe for him, this idea of how it should be played will exist forever. Mais il a oublié une chose. But he forgot one thing. C'est qu'une mise en scène, ça ne dure que le temps des vivants. That a staging only exists as long as the people who are alive are involved in it. Lui, comme auteur, il sera éternel. He, as an author, will be eternal. Moi, comme metteur en scène, je serai éphémère. Me, as a director, I'm ephemeral. C'est mon choix. It's my choice. J'adore. I love it. Voilà un endroit de notre confrontation. And that's a place for a confrontation. Et maintenant,
we have to finish because you have to go and see the show. Yeah. Et je dois les confronter un peu. I have to confront them. As I say in French, ça c'est du théâtre. This is theatre, and that was absolutely wonderful. Thank you very much. Thank you.